Allez, c'est parti pour l'entraînement connaître et utiliser l'euro. Je vais te laisser faire ce travail tout seul car c'est très facile. Allez, on se rejoint pour la correction. Allons-y pour la correction. Alors, tu avais donc cette feuille-là, tu devais colorier les pièces ou les billets, ou les deux, que chaque enfant doit donner pour acheter la petite peluche. La peluche coûte 7 euros. Alors, le premier petit garçon n'a que des pièces de 1 euro. Donc, on va entourer 7 pièces de 1 euro. La petite fille a des pièces de 1 euro et des pièces de 2 euros. Donc, voilà une des propositions que je te fais. Il y a deux pièces de 2 euros, trois pièces de 1 euro. Mais tu pouvais prendre aussi trois pièces de 2 euros et une pièce de 1 euro. D'accord? Et le troisième enfant va prendre. Alors moi, j'ai pris un billet de 5 euros et une pièce de 2 euros. Mais tu pouvais prendre aussi trois pièces de 2 euros et une pièce de 1 euro. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Pour le deuxième exercice, la deuxième partie, tu devais calculer la somme d'argent pour chaque enfant. Le premier enfant a 9 euros. Le deuxième enfant a 8 euros. Il y a un billet aussi, attention, hein, j'espère que tu l'as vu. Et le troisième enfant a 16 euros. On devait entourer l'enfant qui avait le plus d'argent. C'est la troisième personne, le troisième enfant.